Oh, bonjour les enfants, vous êtes là. Excusez-moi les enfants, bonjour, vous êtes là les enfants. Et oui, nous étions encore là avec Petit Loup pour découvrir aujourd'hui un nouveau morceau de musique. Alors, bien sûr, un petit peu plus entraînant que Vivaldi ou que Georges Brassens, quoique. Car aujourd'hui, excusez-moi, je ne vous vois pas. Ah, vous êtes là, c'est vrai. Avec Petit Loup, nous avions décidé de vous faire découvrir un morceau de rock. Un morceau de rock british, comme on dit, de rock anglais. Qui s'appelle les Rolling Stones. Rolling Stones. Alors, les Rolling Stones, qui sont un groupe donc anglais qui vient de Londres, capitale du Royaume-Uni, et qui est un groupe qui est né en 1962. 1962, ce qui fait à peu près, réfléchissez un petit peu, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Vos grands-parents, vos parents, vos grands-parents ont connu les Rolling Stones. Et c'est donc un groupe qui est très très connu dans le monde entier, un des premiers groupes de rock, avec le chanteur que tout le monde connaît et qui s'appelle Mick Jagger, avec Ron Wood, Keith Richards, et je ne rappelle plus son nom, excusez-moi, le batteur qui s'appelle Charlie Watts, bien sûr, et parce que vous avez vu que Petit Loup adore faire de la batterie. Alors je l'accompagne un petit peu, mais ce n'est pas vraiment mon instrument de prédilection. Alors je laisse aller un petit peu Petit Loup avec ses mouvements de batterie, et voici aujourd'hui un nouveau jour, un jour de plus, donc sous le signe des Rolling Stones et de la musique rock, avec... Aujourd'hui, nous sommes le... Ah, quel jour étions-nous déjà hier? Car chaque jour compte, et rappelle-toi, il y a un jour avant, le passé, et un jour après, le futur. Mais aujourd'hui, c'est le présent. Alors, voyons, hier, nous étions jeudi 8 octobre 2020. Jeudi 8 octobre 2020. Si hier, nous étions jeudi, aujourd'hui, nous sommes vendredi, bien sûr. Si hier, nous étions jeudi, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, hier, c'était jeudi. J'enlève le jeudi. Le jeudi bleu disparaît, passe à son tour. Et le vendredi vert le suit toujours. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vendredi. Vendredi, regardons ceci sur la roue des jours. Alors, si aujourd'hui... Alors, ce ne sont pas les mêmes couleurs, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le présent, en ce moment. Aujourd'hui, c'est vendredi. Hier... C'est terminé, c'est le passé, c'était jeudi. Et demain c'est le futur, ça n'a pas encore eu lieu. Ce sera samedi. Nous sommes donc vendredi, hier, la veille, jeudi. Demain, le lendemain, samedi. Et nous sommes donc aujourd'hui vendredi. Alors, si hier nous étions le 8, retrouvons notre ardoise. Hier, nous étions le 8. Alors, regardons comment nous écrivons. Si hier, nous étions le 8, aujourd'hui, après le 8, 8. Je mets 8 petits cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 petits cubes hier. Hier, il y avait 8 petits cubes. Aujourd'hui, un jour de plus, car chaque jour compte. Il faut que je fasse des virelangues, moi. Un jour de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous sommes donc aujourd'hui, après le 8, nous avons le 9. Et rappelle-toi que le 9 se tient la tête en haut, avec souvent un petit trait ici pour montrer que c'est le sol et qu'il se pose dans ce sens-là. Nous pouvons dire que nous sommes aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2020. Vendredi 9 octobre 2020. Alors le 9, que représente le 9? Le 9... Tu le vois ici, je peux te l'écrire. Alors regarde, nous commençons en haut. Nous faisons un rond, toujours dans le même sens. Tu feras toujours un rond dans ce sens-là quand tu feras un A, un O par exemple. Si je fais un A, je tourne dans ce sens-là. Si je fais un O, je tourne dans ce sens-là en cursive. C'est juste pour t'indiquer que le sens de rotation, le sens dans lequel tu vas tourner est important. Nous commençons donc en haut, nous fermons le rond. Et nous venons vous mettre ici pour descendre bien droit une petite queue qui est penchée. Voilà, nous avons le 9. Alors, 9. 9. Demain, 9. Il y aura un jour de plus. Je vais rajouter donc un petit cube. Après 9 cubes, je mets un petit cube. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits cubes. 10 petits cubes. Donc, 9 plus 1. Égal
10 et 10 cubes qui tombent. 10 cubes qui tombent. Alors, quand 10 cubes tombent, que se passe-t-il? Eh bien, je peux les remplacer par 10 cubes. C'est la même chose. Si je les mets l'un à côté de l'autre, tu vas voir que 10 petits cubes, voilà, 10 petits cubes, c'est bien la même chose qu'une barre de 10 cubes. Et que 10 petits cubes, 10 unités, je pourrais les remplacer par une dizaine. Donc 9 plus 1 égale 10. De la même manière, nous sommes le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous sommes le 9. Hier, nous pouvons faire moins 1. Hier, je vais enlever un jour. Ah là, décidément, les cubes. Je crois que c'est la volonté du rock'n'roll de tout casser et de reconstruire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. J'avais 9 cubes, j'en ai enlevé 1, il m'en reste 8. Parce que 9 moins 1 égale 8. De la même façon, si j'ai mes 9 cubes, voilà, j'ai 9 cubes. Si je rajoute 10, eh bien, j'obtiens 9 plus 10 ou 10 plus 9 égale 19. Voilà, une dizaine et 9 unités. Tu vois que nous manipulons les nombres pour les rendre compréhensibles et pour aussi donner du sens aux choses. Alors, nous avons vu que nous sommes donc vendredi 9 octobre 2020. Alors, je peux donc dire que nous sommes le 9 octobre, puisque c'est le 10e mois de l'année. Si nous reprenons notre calendrier du mois d'octobre, tu vas voir que précisément, il y a ici, hier c'était jeudi 8, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes bien vendredi 9. Nous sommes ensemble, donc c'est un jour d'école. Je vais l'entourer. Et tu vois que c'est le dernier jour de la semaine d'école, puisque demain samedi et après-demain dimanche, c'est ce qu'on appelle le week-end, il n'y a pas de jour d'école. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir apprendre ses mots de la dictée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir travailler, mais ce n'est pas un jour en soi où quand on sera tous à l'école, au lycée Victor Hugo, ce sera un jour où on sera à la maison. Voilà pour le calendrier. Alors rappelle-toi qu'il y a 12 mois dans l'année et que le mois d'octobre est le 10e mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 10e mois. Et qu'ensuite il reste novembre et décembre, les deux derniers mois de l'année, avant de recommencer une nouvelle année. Alors aussi, rappelle-toi, hier, c'était le 25e jour d'école. Hier, il y avait 5 unités, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et comme chaque jour compte, je rajoute un jour. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pailles, soit 6 unités. 2 paquets de 10, 2 dizaines. Et je peux remplacer le 5 par le 6. 2 paquets de 10, 2 dizaines et 6 unités. Aujourd'hui, c'est le 26e jour. 26e jour d'école. Et tu vois que chaque jour compte. Chaque jour, nous mettons une paille en plus et chaque jour, il y a un jour de plus. Alors, rappelons-nous aussi que chaque jour, tu vas découvrir un nouveau mot et un nouveau petit virlangue pour t'entraîner à parler. Alors, pour le nouveau mot, c'est un mot que tu vas entendre parfois dans des histoires et qui est le mot jadis. Jadis est un mot qui est peut-être compliqué comme ça, mais c'est un mot que tu vas entendre dans des contes ou dans des histoires. On peut dire jadis, les hommes s'habillaient avec des peaux de bête et vivaient dans des grottes, quand nous parlons de la préhistoire. Jadis. On peut aussi remplacer ce mot par autrefois, il y a très longtemps. Et c'est un mot aussi que tu vas entendre dans les récits historiques. Et nous avions parlé de siècles, et justement on peut dire, il y a 15 siècles, jadis, les hommes vivaient d'une certaine façon. En tout cas, jadis veut dire, il y a très longtemps. Jadis, Managua était un petit village, avant de devenir une ville. Jadis, autrefois, il y a très longtemps. Voilà un mot que tu as découvert et qui s'écrit bien sûr, je peux te donner l'écriture,
car c'est toujours intéressant de savoir l'écriture quand tu vas rencontrer ce mot dans un texte. Donc, jadis, qui est un mot. Voilà, tout simplement, jadis. Il y a très longtemps, ou autrefois, un mot par lequel, avec lequel tu peux commencer une histoire quand tu écris une histoire qui s'est passée, qui s'est déroulée dans le passé il y a très longtemps. Jadis. Alors aujourd'hui, le vire-langue, attention, le vire-langue d'aujourd'hui, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Attention, les chaussettes, alors nous savons ce que c'est que des chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse, alors l'archiduchesse, c'est un titre de noblesse. Il y avait les rois, les ducs, et les duchesses et les archiduchesses. Par exemple, c'était au temps des rois, il y a très longtemps. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Archi-sèches veut dire très très sèches. Voilà. Essayez chez vous de faire ce petit jeu de langue et de le répéter de plus en plus. Et puis n'hésitez pas, avec vos parents, avec papa, avec maman, de découvrir aussi la discographie des Rolling Stones, un groupe de rock qui est un des plus vieux groupes de rock existants à l'heure actuelle et qui continue de tourner avec, bien sûr, ses membres mythiques. Alors je vous dis à une prochaine fois avec Petit Loup qui est encore en train d'écouter de la musique. Petit Loup est toujours en train d'écouter de la musique. On le laisse tranquille avec Petit Loup et bien sûr Frédéric pour un nouveau mot, un nouveau vire-langue et aussi un nouveau morceau de musique. Alors je vous dis à bientôt, à la prochaine fois et surtout ne lâchez rien.